L'eau potable risque-t-elle de manquer à Guéret et dans le département de la Creuse? La question pourrait bien se poser. La ville dispose de 50 captages que les techniciens contrôlent régulièrement. Le 29 décembre dernier, le débit était réduit de moitié par rapport au prélèvement de 2021. C'est un problème, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller prendre de l'appoint sur la rivière Gartempe. Et à cette période, théoriquement, tous les captages avec de l'eau de pluie doivent se recharger. Et si ces captages ne sont pas rechargés à cette période et en début d'année, on aura des grosses problématiques d'eau potable à venir à partir de mai-juin l'an prochain. Pour tenter de remédier au problème, le conseil départemental de la Creuse va lancer un plan de restauration des canalisations et de mutualisation de la ressource pour éviter tout simplement les coupures d'eau. 100 millions d'euros seront investis sur les 10 prochaines années.